veux bien sortir la poubelle, s'il te plaît? Oui, oui, j'y vais. Quelle corvette sort cette poubelle tous les soirs? Hé, hey Billy, ne fais pas cette mimine. Et laisse-nous te donner à papa le coup de main. Tu sais bien que grâce à nous, les corvées deviennent de vraies parties de plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de mon invention. Fini la corvée du soir. Bonjour, la nouvelle Pavel poubelle à roulette. Hé, Peter, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Dis donc bien, j'ai justement besoin d'un tournevis pour installer les roues sous la poubelle. Et voilà le travail. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça n'avance pas. Je me présente, pauvre Paul des Popoles d'Épanage. Que diriez-vous d'une good deal? Merci pour ton aide, Pouf Paul. Tu avais vu juste, c'était bien un beau problème de graissage. Oh, et ben, on va pouvoir rouler maintenant. Laisse-moi faire, Billy. C'est moi qui dirige toute l'opération. D'accord? Suivez bien mes instructions. Amenez l'appareil dans une direction, roulez doucement. Voilà, comme ça, c'est bien. Un avion! Chercher un sac poubelle. Vite, il faut tout nettoyer avant le retour de Billy. Une seconde, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de me salir la fourrure, moi. Oh. Et maintenant, on verra comment on procède. Pas de problème avec ma spéciale Papa Paul Gris, Papa Portable. Machine, mais c'est pas parfait, il faudrait peut-être que tu la conduises jusqu'ici et que tu débarrasses le jardin de toutes ces ordures. Allez, dépêche-toi. Wow. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous nous excuserez de l'interruption momentanée de notre émission. Ça irait peut-être plus vite si on en faisait un jeu. Ouais, super, on va jouer. Alors voilà, on va jouer au Popole Poubelle jeté lancé. Oh ouais, super, j'adore ce jeu. En fait, comment on y joue? Moi, je tiens le sac ouvert et vous, vous ramassez les ordures et vous essayez de le viser. C'est plutôt du basket d'ordures, ton jeu. Chercher un autre sac, sinon les voisins vont croire que nous avons transformé le jardin en décharge publique. Ça sent les ennuis.
Moi, je trouve que ça sent plutôt les ordures. Et moi, je sais que j'ai une idée. On va construire une nouvelle popole machine, mais cette fois, une machine infaillible. Et nous évacuerons toutes les ordures du jardin en 2 temps 3 mouvements. Prêt ? Chacun à son poste et au boulot. Solution. Je sens que je vais me trouver mal. Qu'est-ce que vous avez encore fait? T'en fais pas, on a d'autres tours dans notre sac. Moi, quand j'ai faim, ça m'empêche de réfléchir. Tout tombe vite, parce qu'il faut que tu nous aides. Si seulement tu pouvais nous sortir de là. Oh, t'inquiète pas, Billy. Tu sais bien que PC finit toujours par trouver une solution. Restez assis tranquillement, je prends l'affaire en main. Debout, vous autres. Tenez, vous deux, prenez ça. Mais moi, j'en ai pas. Je vais te confier une tâche très importante. Tu vas maintenir bien fort les poubelles. Je vois vraiment pas à quoi c'est si important de maintenir les poubelles. Scooter, Poufball, vous faites exactement comme moi. Allez, lâchez. Comment ça comprend? Je me doutais bien que j'aurais le mauvais rôle. Mission terminée, on ferme les poubelles. Et voilà. Cette fois, vous avez réussi. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi, Billy. Tu sais ce qui est arrivé? C'est un peu de notre faute. Alors, fallait bien qu'on t'aide. On pouvait pas te laisser comme ça. L'attention de Frog, mais rien n'a marché, il ne me regarde même pas. Tu veux parler de Frog, le capitaine de l'équipe de baseball à l'école, n'est-ce pas? Oh non, non. Salut, Price. Quand je veux attirer l'attention d'un homme, je change ma coiffure. Fais confiance en mon expérience, Bonnie, je connais la recette pour séduire les hommes. Laisse-moi faire et je te promets que Frog va craquer. Et ta recette est le coiffeur? Price a peut-être raison. Frank ne peut manquer de me remarquer si je change mon style de coiffure. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Qui va s'occuper de mon entraînement? Oh, tu trouveras bien quelqu'un sur place, mais moi, je ne suis plus libre, j'ai du travail à faire.
C'est ça, il travaille mon œil. J'ai pas de rendez-vous, mais... Vous n'en avez pas besoin, le salon est vide, je viens d'ouvrir et je n'ai pas encore beaucoup de clients. J'aimerais bien changer de coiffure. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. On pourrait peut-être prendre les devants. On va commencer par un masque de beauté à l'argile. Tu veux dire que tu vas mettre de l'argile sur mon visage? De l'argile chic, ça promet d'être rouge, je vais absolument voir ça. Ce salon est bien triste, il n'y a pas un seul client. Faudrait organiser un gala d'ouverture, c'est le seul moyen d'attirer un maximum de gens. Et si c'est moi qui l'organise, ce sera bien sûr le plus grand des salons. Les fêtes, ça me connaît, c'est mon rayon. Il n'y a rien de tel qu'un bon sauna pour se détendre après un cours de gym. Il n'y a rien de tel que les produits de beauté à base d'argile. Oh, c'est bien la première fois que je me fais un masque de beauté intégral. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Oh, il ne faut pas que PC me voie dans cet état. Cheval, pas un ne me résiste, amigo. Tu vas voir ce qui va t'arriver, Pouter, si je t'attrape. Mais enfin, voyons, Price, calme-toi maintenant. C'était pas sérieux. Ne me dis pas de me calmer, je n'en ai aucune envie, espèce de... espèce de... C'était juste pour rire, voyons, je te le promets. Pouter, dégage! Tu vas mettre en l'air toutes mes décorations! Oh, si seulement j'arrivais à diriger ce truc, ça serait facile! Mais regarde un peu ce que tu fais, gros nigo! Vous pourriez pas être un peu sérieux, rester tranquille? Oh! Oh non, le flacon de teinture, il faut que je rattrape! Ah. Ouf, c'est ce qui s'appelle saisir la chance au vol! Non, j'ai parlé trop tôt! Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens nerveux, je vois tout en rouge! MPC, tu ressembles à un tube de rouge à lèvres de Price. Non, 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 MPC, j'ai de quoi te refroidir. Avec 2 cuillères de cette crème glacée, tu retrouveras ton sang-froid. Oh, objet volant non identifié. Oh.
un petit caniche blanc. Oh. Non, me laisse pas dans cet état, papa parti. Et moi, tu crois que je peux rester comme ça? J'ai toujours pensé que le rouge était ma couleur, mais je n'en demandais pas tant. Je crois que j'ai la solution. La solution neutralisante, voilà ce qu'il vous faut. Mais il va falloir, Party, que tu me donnes un bon coup de main. Hop. Oh mon Dieu, ils ont essayé de me retirer de l'image, moi, la star. Tu veux vraiment qu'on se baigne là-dedans? Ah bah oui, allez hop, sautez. J'aimerais bien savoir où je vais mettre les pieds. Et voilà le résultat, des jumeaux bicolores. Oh là là. Vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut y retourner. Oh. Très bien, madame Souy, merci beaucoup, au revoir. Vite, il faut qu'on sorte d'ici, j'ai pas du tout envie de faire la connaissance du coiffeur. PC, promets-moi de ne plus jamais te teindre en rouge, de rester tel que tu es, tu sais, nous t'aimons tous comme ça. Oh, c'est aussi valable pour toi, Price. Ne change jamais rien, pas même un seul cheveu de ta tête. Oh, mes cheveux, mais je dois être toute décoiffée, c'est épouvantable, je me sens toute gênée. Décidément, jamais je ne comprendrai cette popole. Réveille-toi, Bruni, réveille-toi, c'est l'heure de partir. Hein? Partir où? Oh non! J'arrive tout de suite, ma petite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne peut pas laisser le salon dans cet état. C'est le moment de montrer ce que les popoles savent faire. Youhou! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, l'inauguration du nouveau salon de coiffure, vous êtes tout invités. Oh, un nouveau salon de coiffure, allons-y, Norma. Oh oui, oh, c'est formidable. C'est Billy et Franck. Oh non, je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Salut Bonnie, regarde qui j'ai rencontré en allant à mon entraînement de baseball, Franck. Bonnie, je ne savais pas que tu étais la sœur de Billy. Il m'a dit que tu l'aidais régulièrement à s'entraîner au baseball. Oui. Si j'avais su que tu t'intéressais au sport, je serais allée vers toi depuis beaucoup plus longtemps. J'aime les filles qui peuvent parler d'autre chose que de chiffon ou de leur coupe de cheveux. Oh.